Oui, bonjour. Alors ici à Noilly, eh bien, nous sommes mélangés à la populace afin de découvrir eh bien, tout d'abord les spécialités locales, là, j'ai envie de dire, cette bière Amstel qui est vraiment un pur et délice pour les papilles. Quel délice! Alors, nous allons également découvrir un nouveau spectacle de danse de country. Oui, où nous allons pouvoir vivre la vie d'une jeune femme qui aime la country. Fan de country, c'est aujourd'hui dans ma vie. Ça y est, nous allons donc découvrir la nouvelle star, découvrir cette nouvelle star, Virginie Jouna. On y va. C'est toi qui vas... Tu veux que je te passe mon appareil? La mère de la nouvelle star de la Star Academy, Madame Jouna. Madame Jouna, est-ce qu'il n'y a pas une certaine fierté d'avoir comme ça une jeune demoiselle qui va faire ses premiers pas dans une scène de Noilly? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, on est très ému de faire cette représentation devant un tel public dans une journée magnifiquement ensoleillée. Eh bien, très bien, nous allons donc interviewer cette nouvelle star qui est à mes côtés. Virginie, bonsoir. Dites bonjour à la France. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une certaine pression avant de monter sur scène, une certaine boule à l'estomac? Ah, complètement, hein, mais bon, je gère le stress, non, tout va bien. Tout va bien, mais alors, est-ce que vous n'avez pas des techniques de relaxation, quelque chose? Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer avant la scène, l'avant-scène, comment ça se passe-t-il? Alors moi, ce que je fais, c'est la technique. Ah, nous avons le manager de Virginie, et là, oh là là, en fait, un petit discours à la caméra. D'abord, on répète que dans cette salle, mais on danse dehors, ça fait 10 fois trop chaud. Alors, on attend le président qui met 2 plombes. On interviewera le président tout à l'heure. Il doit dormir, il fait une sieste, on l'attend. Vous voyez, ici la pression est à son comble. On attend le président à tout moment, car la scène n'est toujours pas prête. Le suspense est à son comble. Nous allons donc assister en exclusivité aux répétitions de cette country, du club de country. On aura pris trop de photos. Alors nous assistons ici au préparatif du spectacle, un moment extrêmement important. Mais que se passe-t-il? Elle court. Une catastrophe se prépare. Que se passe-t-il? Nous assistons donc au préparatif. Mon t-shirt que je mets sous ma chemise. La pression est vraiment à son maximum. C'est bon. Mon Dieu. Chers téléspectateurs, c'est un moment inoubliable que nous vivons. Les paparazzi s'acharnent sur cette pauvre... Une interview. Allez-y, la photo. Manque de respect envers les journalistes qui ne font que leur travail. Il me dit je vais à la voiture. Une interview s'il vous plaît. Une interview. Une interview exclusive. Est-ce que le stress c'est pas tout préparé? Rien n'est préparé. Arrêtez, il faut que j'aille me changer. Le moment de tension se fait sentir. Je pense que c'est la fatigue, c'est la pression qui commence à remporter un petit peu le dessus. Des tensions internes se font savoir. Là, il y a un réel conflit qui émerge au sein de cette équipe et j'ai envie de dire au sein de cette famille. D'autres, ça va prendre bien. Bah non, moi je suis. C'est pas vous, c'est. Que se passe-t-il? Quelle est la source de votre énervement? C'est la catastrophe. Je sais pas si on va y arriver. Nous sommes à un moment tendu du spectacle. Va-t-il se produire en ce moment même en raison de difficultés financières et des actionnaires qui refusent que ce spectacle soit en diffusion? Eh bien, ce spectacle risque de ne pas voir le jour. Verrons-nous un spectacle country club à Noilly? Nous répondrons à cette question tout au long de ce reportage. I hear her voice in the morning hour she calls.
me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Country roads, take me home to the place. Petite pause avant la country afin de découvrir un petit peu tout l'environnement, tout l'aspect écologique et eh bien de cette journée country avec notre spécialiste monsieur P.A. Christophe, monsieur Roplouch. Oui, alors là nous sommes en présence d'un Countryum sebassum. Oui. C'est un arbre qui a inspiré directement la danse de la country. Alors la particularité de cet arbre, aussi intéressante soit-elle, c'est toute la texture de cette feuille. Regardez les rainures qui viennent rainer un petit peu cette feuille. Et vraiment, on découvre une splendeur assez magique quant à cette feuille. L'intérêt de cet arbre c'est, pour la country a été l'instigateur de cette danse qui a été qui a né ici. Vous pouvez me rappeler le nom de cet arbre? Alors c'est un Countryum sebassum. Countryum sebassum. Countryum sebassum, tout à fait, des sébacées. Il pousse exclusivement aux extrémités, des fêtes de country. Voilà, uniquement lorsqu'il y a des country. Là, on a assisté. Il a poussé cette nuit, c'est ça. Une poussée subite. C'est une belle poussée. Subite, hein. C'est une belle poussée en tout cas. Que vous dire hein. Là-dessus. Eh bien là-dessus, je pense qu'on peut vous dire merci. Merci professeur Roblochon pour toutes ces explications. Ouais. Et on vous revoit à la prochaine fête de country.